tête au Bouddha ou que vous dégustez de la mimolette, vous êtes un peu en Hollande. Et oui, Edam, Bouddha, mimolette, trois fromages qui viennent de Hollande. La Hollande, notre pays de France. Oh,
Thank you.
Voici le grand Eddie, Eddie Merckx, qui fait son échauffement avant la grande course du Tour de France. Il enfourche son vélo, sa bécane. Tu te prépares aussi comme ça? Bien sûr. Avant tout, la sécurité, le casque. Et bien sûr, n'oublions pas les lunettes. Ça fait penser à quelqu'un, ça tient. Attention, 3, 2, 1, la course est lancée. Et le voici lancé, tel une fusée. Et qui commence la course, après 3 secondes, il a déjà 3 secondes d'avance. Après plus d'une heure de course, il a toujours 3 secondes d'avance. Et oui, mesdames et messieurs, il rentre dans les stades pour le ravitaillement. Lavage de mer. Remplissage de carburant. Vérification de la pression des pneus. C'est bon, c'est bon. On est parti d'ailleurs. On s'en plus. Grâce à une équipe technique du tonnerre de feu de Dieu, Eddie Merckx a de nouveau 3 secondes d'avance sur son planning. Il ne voit plus le temps passer. Attention. Staff technique a quelques problèmes techniques, évidemment. Le Tour de France n'est évidemment pas sans imprévu. Le voici qui reprend la course. Il fait une remontée fulgurante et regagne ses 3 secondes d'avance. C'est la ligne d'arrivée. 3, 2, 1. Eddie Merckx champion, comme d'habitude. Voilà, la course est terminée. Vous êtes bien arrivés au pays du Père, du Vert et du Poussin. Ouais.